Pas d'erreur. Ce numéro 2 est un mâle. Il lui sera donc attribué le numéro de 23B. C'est un mâle donc né le 12 mai par Spanish Moon. Spanish Moon, on reste avec les étalons du Lion d'Angers. Spanish Moon et Kelmar par Goldneyev. Kelmar a gagné à Angoulême en obstacle. Et c'est une fille de Démarre qui, elle aussi, a gagné. Et qui a gagné à Nantes à deux reprises. On peut marcher. Et où on était, j'ai aussi été deuxième du prix Auteuil-SF à Auteuil. C'est la famille de Extramar, Vasimar, Espoir Bruère et Usli Bruère. Présenté donc par Michel Pelletier, une figure du Lion d'Angers, participant à ce concours depuis le début. Voilà, donc on va revenir au pas, puis après on va lâcher le poulain qui est bel et bien un mâle pour le voir évoluer au trot. Fils de Spanish Moon qui ressemble beaucoup à son père d'ailleurs. On va au trot ? Bon, Michel dit à son poulain de faire pas du galop mais du trot, mais je ne sais pas s'il l'entend bien. Bon, la preuve que non. Voilà, comme le dit justement un juge, Roland Giard, les courses, ça se gagne au galop. Donc, on va peut-être recommencer, histoire d'avoir une chance de voir le poulain au trot. Non, bon. Poulain épais, poulain puissant, très typique de son père d'ailleurs, Spanish. Spanish Moon, un jeune étalon. Spanish Moon, young sire. Very well received.